Bonjour et bienvenue sur ce joli tapis blanc. Regardez, je l'ai composé pour vous en hiver, comme ça, du côté des Pyrénées. Nous sommes exactement sur les hauteurs de Font-Romeu pour vous proposer cette belle escapade. On est heureux de vous faire rencontrer notamment des agriculteurs éleveurs qui sont des gens qui arborent la belle tenue bleu, blanc, rouge pour donner des leçons de ski. On va rencontrer tous les aubergistes aussi qui se donnent du mal pour pouvoir servir la tortore, comme dit Pierre Perret, dans l'assiette. Et puis, j'allais presque vous dire que c'est une émission qui passerait facilement de l'étable à la table. On se croirait au pied des volcans, là. Comment ça va? Bonjour, cher ami. Bonjour, tu vas bien? Je te fais la bise parce que... D'abord, pour te féliciter, merci. Tu fais partie d'un nouveau clan qui s'appelle les maîtres cuisiniers de France. Ouais. Bonjour, Gabin, ça va? Bonjour. Originaire de... Du Gard. Originaire du Gard, c'est ça. Qui est venu se perdre dans les Pyrénées... Oui. Pour le travail, il a envie de travailler avec François. Avec François. Et regardez, quand vous avez une marmite comme ça... Vous êtes attiré. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est une ouillade, c'est un plat typique de notre département. C'est la soupe paysanne par excellence. Et oui. Ça s'appelle une ouillade parce que c'est fait dans une ouille. Et c'est fait au feu de bois. À l'époque, on se servait dans toutes les maisons cerdanes. Il y avait une fougaine comme ça. Et on s'en servait pour faire cuire le manger des cochons. Des cochons. On mettait les pommes de terre à l'intérieur pour faire manger les cochons. Voilà. On se servait de cette oeil aussi pour chauffer l'eau, pour peler le cochon quand on l'avait tué. Et on faisait cuire les boudins dedans. Il y a des choux, des pommes de terre, des haricots, un os de jambon. Voilà. Et moi, mon petit sucré, j'y rajoute à la fin une petite bille de sagi. Le sagi, c'est du lard qui est un peu rinci. On le mélange un peu et puis ça lui donne un petit goût âpre qui est très, très intéressant. Du lard rinci? Oui. Tu connais ça dans le Gard, non? Non, je ne connaissais pas du tout. Tu ne connaissais pas du tout cette sorte de... Bon, il a connu maintenant. On commence par une petite soupe légère qui vous donne envie de descendre pas à pas dans la neige, pour rejoindre une jolie Marilyn. C'est une auberge de campagne et de village. Vous allez voir comme vous aurez envie d'être pensionnaire ici, dans ce tout petit village où elle habite. On rejoint Marilyn et elle, c'est la reine de la crêpe Suzette. Là, on est quand même dans une très, très belle auberge de montagne. La maison est très vieille. Depuis 1911, elle s'appelle La Suce. Ah oui. Et elle hébergeait déjà des gens à cette époque-là. Là, vous étiez en train de répéter un peu de crêpes. Ah, je m'entraîne un petit peu, de faire des crêpes Suzette. Donc là, je fais d'abord un petit caramel. Oui. Et on va attendre que ça prenne pour l'instant. Ça, c'est le dessert un peu traditionnel que l'on mange dans cette auberge. Vous avez vu comme ça, la belle horloge annonce le temps qui passe, qui passe, qui passe. Ça, c'est le bonheur. On a envie d'être avec un joli livre, vous voyez, et d'être installé tranquillement dans un fauteuil. Alors, vous êtes originaire du Tarn, vous? Tout à fait, de Mazamé. De Mazamé, parce que c'est pas très loin d'ici. Oui, 3 heures à peu près. 3 heures à peu près d'ici. Donc, vous êtes venu vous exiler. Ouais, on s'est mis au vert. Ah, très bien.
Là, c'est le jus d'orange qui arrive. Voilà, regardez, il y a le caramel juste en dessous. Là. Regardez, ah oui, oui. Et servi sans salle comme ça, quand même, ça, c'est très joli. Les spécialités de la maison, c'est, j'adore ça. Alors, c'est la côte de veau, aux cariolettes ou aux champignons locaux. Cariolettes. Ouais. Ah oui, c'est le petit mousseron. Notre principe, c'est de... De l'étable à la table. De l'étable à la table. Puisque sur la ferme, il y a encore une ferme, la ferme Rousseil, qui fait des veaux sous la mer, et ils sont de qualité excellente toute l'année. Et c'est vrai qu'ils sont au bon air des Pyrénées et à bonne herbe. Je vais peut-être rejoindre la ferme, elle est pas loin d'ici. Surtout il y a Philippe qui est en ce moment. Philippe. Mon mari, le chef. Ah, le chef est là-bas. Oui. Mais je vais le rejoindre, d'autant plus que lui, il connaît les plus beaux endroits aussi de tout le coin. Bonjour, cher ami. Comment là? Je t'ai surpris, là. Oui. Tu as sursauté. Oui, je m'y attendais pas. Dis-moi, j'ai l'impression, mon cher Philippe, tu es donc le joli mari de Marilyn. Je l'ai laissé il y a quelques instants. On avait commencé avec les crêpes Suzette. On continue là, au milieu de cet espace, quand même. C'est splendide, là. Tu l'as adopté, cette région? Ah oui, ça, j'adore. Oui. J'adore, on y vit super bien, c'est merveilleux. Parce que tu étais pas du tout d'ici, toi, tu étais de... Du Var, de Toulon. Du Var, de oui, Toulon. Oui. Ah, très bien, jolie ville, Toulon. Toulon oui. Et tu faisais la cuisine là-bas, tu étais non, déjà... Non, du tout, je travaillais sur Paris, avant de venir ici. Tu travaillais sur Paris, et plus précisément, dans une institution qu'on adore dans cette émission, qui était la Closerie. La Closerie, bien sûr. Mais alors, tu étais en salle. J'étais en salle, par contre, tout à fait. Voilà. Et donc, subitement, ça t'a démangé, tu as dit c'est ça y est. C'est l'occasion qui fait le larron. On a pris un gîte en gérance avec mon épouse et on s'est dit il fallait quelqu'un en salle, il fallait quelqu'un en cuisine. Donc, je suis mis à la cuisine et elle s'est collée à la salle. Bon, alors là, tu étais en train de préparer. Une fricassée de riz de veau et rognon. Oui. Avec un chou braisé. Avec un chou braisé. Avec du tiraboucho. La poitrine de. Avec le. Tiraboucho. Qu'est-ce que tu proposes à ta carte autrement? La fameuse côte de veau. La fameuse côte de veau. Voilà. Des shérifs, là. Des shérifs, des deux gaillards, ceux-là, tu les aimes bien. Ah, je les aime beaucoup, ouais, Peux me donner leur nom, déjà, pendant qu'ils arrivent. Patrick le jeune et le plus ancien, Jo. Patrick et Jo, voilà. Alors, c'est l'art et la manière de cumuler deux métiers, d'ailleurs, vous êtes en même temps. Si on ouvre le blouson, là, l'école du ski français, on voit la combinaison en dessous. Vous êtes moniteurs de ski tous les deux? Oui. Il y a deux fils aussi. Il y en a un qu'on va voir tout à l'heure. Là. Serge, oui. Sergio. C'est ça. Oui. Et en fait, c'est toujours bien de cumuler deux métiers. C'est un peu la tradition ici. Ben ici, disons que c'est plus la tradition. C'est aussi un plus. Et puis, ça nous permet aussi de côtoyer un petit peu autre chose que les vaches et la partie agricole. Ça nous fait. Oui. Ça permet de nous ouvrir et de voir un petit peu du. Du monde extérieur que l'on ne verrait sûrement pas en restant dans l'exploitation. Il y a combien de bêtes, là? 115, exactement. Combien? 115 adultes. Il y a ces chiens, ils ont quand même une importance dans votre vie, les chiens qui arrivent, là, qui mettent les petits veaux d'un côté, qui laissent les mamans de l'autre, ils sont sensationnels. Alors, moi, je me demande, ici, il y a beaucoup d'exploitations où ils n'ont pas de chiens, je me demande comment ils font. Mais moi, sans les chiens, je sais c'est pas vrai. Comment... Là, quand on sort les vaches, c'est eux qui font le boulot, hein, parce que sinon... Un chien fait plus de boulot que, allez, je dirais 20 personnes. Que 20 personnes. Le bel accent. Oui, il est de Paris. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se fout un peu de moi, mais je n'en suis pas complètement sûr. Oui, c'est le bel accent. C'est là que je fais belle. Quand tu étais enfant, voilà, tu baignais dans la langue catalane. Voilà, parce que mes parents parlaient, tout le monde dans le village parlait catalan. Donc moi, je parlais catalan et quand je suis allé à l'école, je ne voulais pas y aller, quand j'avais 5 ans à l'époque, je ne voulais pas y aller parce que je ne les comprenais pas, je ne savais pas parler français. Presque c'est à cause de ça que j'ai gardé, que je roule un petit peu les airs, je dis un petit peu. Mais faut rouler les airs, oui. Voilà.
Mais il faut, faut garder comme ça. Je pense que maintenant, je ne vais pas changer. Et puis, comme on roule les belles bottes de foin, et ben on roule les airs ici. C'est à peu près la même chose. Alors, il y a une fierté dans cette exploitation, c'est ce fameux veau. Raconte-moi ça un peu. La race ici, c'est une variété, c'est... Alors, celle-ci, c'est du charolais. Tous les veaux ont un père charolais. Oui. Et ensuite, on est en train de mettre une race Aubrac. Et pour le moment, les produits sont de père charolais, donc les veaux que nous faisons ici. Et ça marche très bien et c'est une très bonne viande. Très bonne viande. Ah oui, je vous confirme. C'est vrai. Je vous confirme. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Non, pas du tout. Ça non, reste non, comme ça. Elle est rosée, elle est magnifique. Non. Elle est magnifique. Et puis, il y a ce circuit court. Oui. Qui consiste... Un mot là-dessus. On veut, au lieu de faire des lots de 5-6 kilos par des salles de découpe, on a voulu choisir de le faire par le biais d'un boucher et puis pour faire travailler aussi un ami du coin. Et donc, c'est resté, ce veau va passer directement, donc passe par abattoir et va être livré à la boucherie de M. Benito. Tradition locavore, voilà. Comme on dit. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et ensuite, Philippe et Marilyn ont racheté l'hôtel de la Suze à Bolcaire et m'ont contacté et m'ont demandé comment on pourrait travailler ensemble pour faire ce fameux veau. Donc, vous vous êtes donné la main pour avoir une aventure et faire une farandole entre vous dans un comme ça microcosme pyrénéen et d'arriver ensemble à faire quelque chose entre ceux qui produisent et puis ceux qui mangent et de raconter une belle histoire. Moi, je vous félicite pour tout ça. Quelques pommes sautées. Voilà, à la graisse de canard, toujours. Et puis voilà, des petites cariolettes. Et des petites cariolettes, voilà. Les fameuses... Les fameuses cariolettes. Voilà, les petits champignons. Les champignons, les petits moussons. Comme ça. Voilà, et côtes de veau, des beaux enfants. Vous allez voir, on va continuer d'être ensemble parce qu'on va continuer cette épopée. Mais en attendant, j'ai envie de retrouver François. Le beau François, vous savez, celui qui, au début de l'émission, nous a réjouis avec son chaudron. J'ai envie de le retrouver parce qu'il est dans sa chaumière et il m'attend. À tout de suite, à bientôt. Et vous êtes quand même de très, très beaux Pyrénéens. Bravo les artistes. Et bonjour. Ah, salut Brice. Bonjour François. Salut Bernard. Ça va? Ça va. Vous avez pu préparer un jambon? Ouais, ouais, le jambon est prêt. Allez. Ouh, il y a longtemps que j'étais pas venu dans ton séchoir. Ouais. Hein. Il est bien complet là. T'en avais repéré un. François. Voilà. C'était celui-là. Ah ouais, celui-là il est pas mal. Voilà. Alors vous les sondez des fois les jambons pour savoir ouais, si. Ouais, ah voyons, On sonde au niveau de la veine et on permet de savoir si le jambon a assez pris le sel. Parce que nous salons le jambon à la main, hein, au gros sel. Hein, d'accord. Au sel sec, pendant 9 jours à un mois, suivant la grosseur des jambons. Et après, c'est la qualité du cochon qui fait le reste. Mais tu et là, grâce à la sonde, ça me permet de savoir si tu sais, jambon, si ça a une odeur. Voilà, une odeur bonne, hein, tout simplement, bonne, du jambon. Voilà. Et alors, tes cochons, explique-moi un peu. Tu m'as dit que c'était en liberté. En liberté, mais dans un enclos, quand même. Ah non, pas du tout. Non. C'est carrément dans la forêt de chênes et de pins de Sardinia, à 30 km d'ici, parce que l'altitude est à 500 mètres, donc c'est l'idéal pour le cochon. Et il gambade toute la journée. Et par rapport à un élevage en batterie, il faut en gros 3 mois de plus d'engraissement pour sortir de nos cochons à 120-130 kg point net. C'est ce qu'on travaille actuellement, ce qui fait des jolis jambons. C'est quoi 9-10 kg? Celui-là, il fait plutôt 12-13 kg. 12-13 kg, d'accord. Ouais. Bon, ben, on va l'emballer, puis on va aller l'ouvrir à fond romeux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Allez. Alors, te voilà dans ton royaume. Voilà. En fait, tu as deux maisons. Hein. Tu es au-dessus où tu fais ces soupes. Et là, on redescend à l'intérieur de Font-Romeu, c'est ça, à peu près. Alors, on est dans le village. Hein. Là, c'est ma chaumière, ma maison, ma chaumière. Hein. Ma chaumière. Alors, on t'a vu avec ton ami choisir les beaux jambons. Avec Bernard. Moi, c'est un jambon fait traditionnellement, comme nos anciens le faisaient dans le temps. J'ai rien inventé.
D'accord. Il y a très peu de gras à l'intérieur, il y a du gras à l'extérieur. Définition du beau jambon. Exactement. Oui, exactement. Quand il est marbré comme ça, qu'on voit des petites pointes de sel, c'est signe de qualité. On va se retourner derrière toi, oui, parce qu'il y a d'autres personnages que tu as, avec qui tu as envie d'être. Bravo l'artiste. Redites votre nom, c'est... Bernard Bonzon. Bernard. Alors, là, on est devant ta grande spécialité. Alors, moi, je croyais que c'était des poireaux. En fait, ce sont des oignons, c'est ça? C'est des repousses d'oignons qu'on plante à la fin de l'automne et on les chausse de terre pour qu'ils restent bien blancs. Et calça, en catalan, ça veut dire chausser, donc on les appelle calçots. Et on les fait à la braise, bien, bien à la braise, et puis après, pour les déguster, on tire dessus. Ah voilà. Oui. Ah ben bah d'accord, on enlève le vêtement, le survêtement. Voilà, on le trempe. Et là, le voilà, on le trempe dans la sauce, et puis on n'a plus qu'à le... Vas-y, oui, goûte-le. On n'a plus qu'à le goûter de cette manière-là, dans une sauce qui est... Un genre de romesco qui est fait à base de poivrons, amandes, noisettes, pain grillé, vinaigre, piment doux, et monté à l'huile d'olive. Alors derrière, il y a là un joli monde, hein. Il y a là ton épouse qui est... Mon épouse Placida, sans qui... Placida, qui est... sans qui la maison ne serait rien. Et là, il y a... Alors là, un ami cuisinier comme moi, qui est un restaurant assez goût, et qui a la spécificité d'être guide de chasse en plus. Oui, j'accompagne des gens en montagne, surtout des étrangers. Oui. Et ils viennent découvrir l'emblème des Pyrénées, un peu, qui est l'isard. Donc, ils viennent chasser l'isard. Et comme c'est des gens qui repartent souvent en avion, ils viennent pour le trophée. Et moi, je garde la viande et je commercialise la viande au restaurant ou alors je la transforme en saucisson. Vous avez beaucoup d'allure. Merci beaucoup. Et puis, il y a cet homme. Il y a cet homme qui est ton fromager. Mon fromager. Quoi, oui. Alain Vossel, qui est un des seuls affineurs du département et qui fait ma sélection quotidienne de fromage. Qu'est-ce que l'on a sur ce plateau? Oh ben là, on a un petit chèvre de Massat, donc on va beaucoup en Ariège, parce qu'il n'y a pas une grosse tradition fromagère dans les Pyrénées-Orientales. Il y a quand même une tome, parce que j'ai voulu prendre la tome de Sophie Solac, qui est à Sahorn. Après, il y a un petit fromage espagnol, donc d'un jeune fromager qui a fait toutes ses études en France. Parce qu'on bascule. Ben, on est à 20 km, hein, donc il a fait toutes ses études en France. Donc on va le chercher et là-bas. Il a fait un petit fromage qui s'appelle le Piche Pedros. Là, son autre fromage, qui est un bleu catalan, il n'y en a pas beaucoup des bleus catalans, mais celui-là, je peux vous assurer qu'il est caractère. Beau, hein. Vous êtes allé chercher un peu voilà, mais c'est affiné à fond romeux, parce que celui-là, il a plus d'un an de fond romeux. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet air de fond romeux pour affiner? Plus sec, Bernard, pour en parler pour les jambons, c'est pareil, hein. C'est un air qui est assez sec. Mais on est quand même à 1700 mètres d'altitude ici, et ça aide beaucoup pour affiner le fromage. Tout au monde. Avec le bel air. Voilà. Dans quelques instants, je vais vous emmener du côté de l'Ermitage. Ça a encore une hauteur de plafond par rapport à Font-Romeu, où on est dans un bistrot avec des moniteurs de ski, avec une sorte de plaisir à partager les moments après la neige. Les retours de ski. Mais juste avant, les enfants, j'ai une toute petite romance à vous faire comme ça. D'un garçon pâtissier qui s'appelle Arnaud. Et cet Arnaud balade sa pâtisserie dans une petite camionnette. Bonjour Arnaud. Voilà. Et bonjour. Pour quelle raison vous avez pris une petite caravane pour apporter vos gâteaux? Et ben en fait, moi ça me plaît ça. J'arrivais pas à trouver de local et puis j'avais la place à la maison de me faire un laboratoire. Oui. Donc je me suis fait un beau laboratoire et du coup j'ai dit je vais aller un peu dans toute la Cerdagne quoi. Il y a des tartes aux pommes. Alors il y a des tartes aux pommes, beurre salé et des cuites aux pralinées noisettes. Oui. Il y a des tartes crème au café Chiboost. Oui. Avec des copeaux de chocolat Caraïbes à 66%. Petite tarte au citron aussi non? Des tartes au citron meringuées avec pareil c'est une crème au citron qui est montée au beurre. D'accord. Donc c'est très souple. Là, c'est une tarte aux pommes. Et ça, c'est une tarte aux pommes, avec un petit fond de crème vanille, voilà. Bravo. On redit votre nom et votre prénom, c'est... Arnaud Gesselin. Arnaud Gesselin. Comment vas-tu ?
écoutez, c'est bien, hein, je suis content de toujours là. Le beau Sergio, frère de Patrick, fils de Joe, que l'on a vu il y a quelques instants dans l'exploitation. Alors, dis-moi où on est. On est sur les hauteurs un petit peu, on est à Font-Romeu, mais... On est ici à 1800 mètres. Hein, oui. C'est l'histoire de Font-Romeu, l'ermitage de Font-Romeu, c'est-à-dire c'est un hameau où avait le chemin de Compostelle. Ici, derrière nous, il y a la chapelle et l'ermitage, donc le nom du bar. Et c'est Carole. C'est Carole, voilà, qui est dans ce magnifique établissement. C'est Carole et c'est également son mari Bernard qui est mon ami d'enfance. Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours deux métiers. Vous, Bernard, vous êtes en même temps moniteur de ski. Et gérant aussi avec ma femme, ici, à l'Ermitage. Alors ici, c'est un endroit, qu'est-ce que vous faites, vous, Carole ? C'est un endroit qu'a repris mon mari maintenant depuis 16 ans, où on a développé une restauration le midi, et puis où surtout, le soir, on essaye de cultiver avant tout l'amitié. Ça, c'est important. Et alors, les apéros avec les moniteurs. Les apéros avec les moniteurs, avec les pisteurs, avec les gens de la station. Vous voulez les entendre un peu, les moniteurs. Les amis. Allez, regardez, ils sont tous là. Alors là, on est mort. Alors là, s'ils se mettent à chanter, nous sommes. C'est fini. Tu as chauffé, Jean-Luc, tu as chauffé. Là. J'aurais jamais dû chauffer. Eh oui, oui. Merci, vous êtes formidable. Donc, c'est le relais ici, à chaque fois, après les cours de ski, vous retrouvez ici. Ici, c'est le point névralgique de tout, si tu veux. Oui. Bernard, c'est à Poun, c'est-à-dire c'est le point central des moniteurs de ski, des pisteurs, des gens qui travaillent autour. Et on voit quelqu'un comme Manu ici, qui est un viticulteur connu dans le département. Alors parle-moi de Manu. Alors Manu. La maison Case, c'est le côté historique du département. Manuel Case, c'est ça. Tout à fait. Alors vigneron. Quatrième génération de vigneron, donc sur Rivesaltes essentiellement. On a un gros domaine qu'on a bâti année après année. Un domaine qui a toute une tradition, donc sur les vins doux, sur les vins secs, oui. Et qui travaille en bio maintenant depuis plus de 20 ans. On a un domaine qui fait partie des plus gros domaine en bio de France aujourd'hui. Les conditions climatiques sont très favorables, parce qu'ici on a un soleil, on a beaucoup de vent, donc qui nous permettent d'avoir des raisins très sains. Donc on travaille sur des produits bio. Le principe du Rivesaltes, c'est le mutage. Ce sont des vins que l'on arrête en rajoutant de l'alcool. Voilà. C'est très très vieux. Et ce sont des il y a des muscats plus sucrés. Le muscat est un des cépages les plus aromatiques, et donc que ce soit en doux ou en sec, c'est toujours très exubérant et très puissant. Donc on a beaucoup de plaisir à servir ces vins, d'abord à les faire et à les servir aussi. Bravo l'artiste. Merci beaucoup. Parce qu'on adore rencontrer les jolis poètes. Des régions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est récompensé? On va en bout de bar, juste histoire de voir un petit peu ce que l'on mange chez vous, parce que je crois qu'il y a un chef qui a l'art et la manière des tapas. Bon, alors là, il y a le geste absolument formidable, c'est de brosser un peu le toast avec l'ail, et puis la tomate. C'est ça, voilà, le panamboli. Donc c'est juste une petite tartine de pain grillé, et après, voilà, un petit trait d'huile d'olive, un petit peu de jambon tirabuccio, c'est le jambon de Cerdagne, tirabuccio en catalan, tirabouchon, voilà. Quel est votre nom ? Alors, mon nom de Gérona et mon prénom Olivier. L'adjoint s'appelle comment ? Ah ben, c'est Guillaume. Alias Mimou, c'est le surnom la maison. Voilà, donc on est passé de petites choses en petites choses. Voilà, un petit bacalao, donc la morue, qui a été juste cuite, et après on l'a fait gratiner à l'aïoli. Oui. Voilà. Ici, qu'est-ce que l'on a ? Alors là, on a les bolos de picoulate. Voilà, c'est vraiment une spécialité catalane. Donc c'est un mélange de trois viandes, c'est-à-dire du veau, du bœuf et du porc. C'est mélangé avec de l'ail, un petit peu de persil, un petit peu de mie de pain et un petit peu d'œuf pour faire la petite coagulation pour que ça tienne. Et après, ça va cuire lentement dans une petite sauce tomate. Et au dernier moment, on va amener un petit peu l'acidité de l'olive verte. On retourne vers tes amis moniteurs de ski. Voilà, reprends ton verre. N'oublions jamais, parce qu'au pays catalan, comme partout en France, on n'oublie jamais le verre. Le vin est à boire avec modération, certes, mais le vin est source de joie aussi. Bravo les deux artistes.
Et voilà, le temps de revenir, et finalement, on se rend compte que le frérot est arrivé. Il est revenu de sa ferme. Patrick, hein, c'est sensationnel. Merci pour ta belle organisation, parce que cette escapade n'aurait pas eu lieu sans ton regard. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette escapade dans les Pyrénées du côté de Font-Romeu. Et puis, vous savez que je vous attends la semaine prochaine. Tu as l'air de venir. Ça, tu veux dire ? On revient. Reviens.